Beau matin à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour le message de ce vendredi 23 octobre 2020. J'espère que vous allez toutes et tous bien et on termine la semaine avec le choix. Je décide ce qui est bon, et bien tout simplement pour moi. Avez-vous remarqué que dès que vous avez fait un choix, eh bien la situation qui était jusque-là bloquée se dénoue tout simplement. C'est parce que vous avez pris une décision, certes qui n'était peut-être pas facile, n'est-ce pas, et que vous avez mis votre énergie et votre intention dans une direction bien précise. Et à ce moment-là, eh bien, tout se met en œuvre naturellement pour aller dans la voie choisie. Tant que vous hésitez, eh bien, vous vous bloquez. Vous vous bloquez vous-même en ne vous donnant aucune direction à suivre. Ce qui crée un blocage, n'est-ce pas ? Il est parfois difficile hein, de trancher, c'est pas facile, mais cette action elle est salutaire et elle vous permet d'avancer. La vie est une suite de choix, n'est-ce pas ? Petit et grand au cours de laquelle, eh bien, vous conservez toujours votre libre arbitre. Au pas que vous pensiez que vous êtes obligé de, vous n'êtes jamais obligé de faire, mais plutôt vous choisissez de, ou alors vous décidez de faire. Ces expressions positives, eh bien, vous permettent de conserver votre pouvoir, votre libre arbitre, en utilisant des expressions comme « je dois », il faut que, c'est comme si vous abandonniez votre pouvoir aux circonstances extérieures. Choisissez ce qui est bon pour vous et pas ce qui est bon pour les autres et passez à l'action. La vie est une succession de choix, de décisions à prendre. Le temps de l'attente et de la passivité, eh bien, elle est terminée. Il est important de rester dans l'action si vous voulez réussir et si vous voulez atteindre, eh bien, votre but, le but recherché, alors, décidez maintenant ce que sera votre vie et ben, tout simplement passez à l'action. Les affirmations positives. Je choisis toujours ce qui est bon pour moi. Je suis le créateur de ma vie par les choix que je fais. Les décisions que je prends sont toujours bonnes. Chaque choix est juste et me permet d'avancer. Aujourd'hui, je passe à l'action.
en toutes circonstances, eh bien je conserve mon libre arbitre. Je suis libre. Quel beau message pour terminer cette semaine. Merci l'univers. Je vous souhaite une excellente journée, un très beau week-end, dans la joie, l'amour inconditionnel, la tolérance, la gratitude. Et on se retrouve pour un prochain message, une prochaine guidance. Je vous embrasse. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous, dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.